google vous le savez c'est une marque que certains adorent mais que d'autres détestent en effet la philosophie pixel c'est d'abord prendre parti ce qui fait que nous en tant que personnes nous ne pouvons pas rester indifférents face au produit le google pixel 6a est concerné par ce parti pris et nous allons au sein de ce test étayer de manière large cette idée Salutations à toutes et à tous, ici Romain le Fosséen et aujourd'hui, il est l'heure de parler du Google Pixel 6a et de comprendre ses enjeux à travers ce test. Un smartphone philosophiquement réussi. Google est une entreprise qui, sur le marché du smartphone, a eu du mal à se stabiliser. En effet, nous l'avons vu depuis trois générations maintenant, mais Google a du mal à trouver une ligne directrice avec ses pixels. En effet, la firme de Mountain View chaque année décide soit de changer de tranche de prix, soit de changer de stratégie globale. Bref, ça manquait vraiment de clarté, la gamme Pixel. Maintenant, je trouve que ce que Google a fait depuis le Pixel 6 reste intéressant car nous sentons qu'il y a une une véritable ligne directrice et le Pixel 6A ainsi que les prochains Pixel 7 en sont tout simplement la preuve. Dans les mailles de tous ces propos est présent le Pixel 6A que nous allons essayer de comprendre et d'analyser. En effet, Google propose sur le papier un smartphone presque sans compromis pour son tarif puisque nous retrouvons tout ce qui fait l'essence même d'un Pixel. En effet, nous avons à peu près le même design que le Google Pixel 6. Nous avons Google Tensor présent à l'intérieur de ce smartphone. Nous gardons toujours à travers ce Pixel 6A, d'excellentes performances photographiques et vidéo. Et puis, nous gardons un excellent moteur aptique. J'ai envie de vous dire, quoi de mieux <laughs> Pour rentrer dans les détails, nous avons en matière de design une forte similarité avec son grand frère comme dit précédemment, avec par contre un dos en plastique, qui est même pour le coup d'excellente facture. En plus de rendre le smartphone léger, ce plastique reste pour moi une réussite malgré une prise de rayures assez importante sans l'usage d'une coque. D'ailleurs, la coque de Google présente avec ce Pixel 6A, certes, est bien, mais je regrette tout de même les excellentes coques de Google les années précédentes. Dans tous les cas, l'arrière du smartphone est... Pour moi, réussi tout comme l'avant avec l'écran de 60 Hz qui est indéniablement bon. L'écran est lumineux avec des angles de vision relativement larges. Malgré ça, j'aimais un petit bémol c'est que lorsque vous êtes dans un environnement créé lumineux, il faudra quand même un petit peu plisser des yeux pour voir votre écran de manière correcte. Certes, ça reste un problème sur beaucoup de smartphones, mais je tenais à le signaler. En tout cas, hors de ce cas d'usage, honnêtement, l'écran du Pixel 6a est quand même relativement bon. Mais ce qui me fait croire que Google a une vraie philosophie, c'est surtout l'intégration de Google Tensor. Pour le coup, moi, c'est quelque chose qui me fait plaisir. Nous avons un processeur haut de gamme pour moins de 500 euros. Et qui dit processeur haut de gamme dit aussi expérience travaillée et performance photo au top. Une expérience travaillée. Vous me connaissez, mais pour moi, ce qui fait la force d'un smartphone, ce n'est pas forcément toute la technique et le hardware, c'est l'expérience qui est travaillée. Pourquoi je dis ça Car le design, c'est bien beau, car le hardware, c'est magnifique, c'est vrai, la technique aussi. Mais ce qui veut faire que vous allez adopter un smartphone, c'est bien l'expérience utilisateur à travers son logiciel. Google ici, comme à son habitude, propose Pixel Experience avec Android 12 et bientôt 13 à la baguette. Pour être honnête, oui, Android 12 est maintenant 13 et réussi malgré quelques frustrations. Oui les animations sont au top, oui l'intégration et de la personnalisation est juste impressionnante, oui les codes graphiques sont bluffants d'identité mais ce qui fait la force de l'expérience Google pour moi c'est le moteur haptique. De mon point de vue ce point clé autour du moteur haptique est beaucoup trop sous coté sur les smartphones, on le voit très rarement dans les tests hein, c'est vrai et pourtant ce qui va faire que vous n'allez pas vous lasser d'un smartphone c'est ce genre de petits détails comme ici le moteur haptique. D'ailleurs les vibrations légères sont présentes sur beaucoup de points clés au sein de ce logiciel, le moteur haptique vous accompagne dès lors vous tapez du texte, dès lors vous naviguez dans l'interface, dès lors vous déverrouillez votre Pixel 6a, bref, dès lors vous faites une action avec une conséquence. D'ailleurs, il faut savoir aussi que le moteur haptique est présent pour accompagner votre expérience photographique et ce sera le prochain point de cette vidéo. La photo, la force du téléphone. Est-ce qu'il y a besoin de dire à quel point le Pixel 6A est un bon téléphone en photo? Est-ce qu'il y a besoin de dire que pour moins de 500 euros, le Pixel 6A est le meilleur smartphone en photo? Je ne pense pas. Alors oui, vous n'avez pas les meilleurs capteurs en photo. Oui, sur le papier, c'est absolument pas digne de ce que peuvent proposer d'autres constructeurs. Mais ce qui nous intéresse ici, nous, c'est le résultat. Et autant dire que c'est franchement très beau. Je vous propose quelques clichés que j'ai pu prendre avec le Google Pixel 6A. Et comme vous le voyez ici, ce que propose Google est très bon. Que ce soit dans la gestion de la balance des blancs, que ce soit dans la gestion du contraste et tout ce genre de choses, en soi... Google n'a plus grand-chose à prouver en matière de photographie tout simplement. Mais ce qui me plaît aussi, c'est la fonction gomme magique présent aussi sur ce Google Pixel 6a. En effet, en cas d'imperfection sur une photo, il est vraiment facile de gommer tout ça de manière simple et efficace. Enfin, moi, j'adore ce genre de petites fonctionnalités liées à l'intelligence artificielle qui arrive comme ça en plus de l'expérience photographique. Ça rend le smartphone plus intelligent en fait, et moi, j'adore. Maintenant, on reste sur un smartphone en dessous des 500 euros. Et ça fait que forcément, il y a des concessions et donc des faiblesses. Les faiblesses du Pixel 6a. Je vais vous le dire très honnêtement, je trouve pas en fait que ce smartphone ait de véritables faiblesses, mais on est plutôt sur des frustrations. Je trouve qu'aujourd'hui, Android 12 et même 13 manquent encore de stabilité. Il y a des bugs liés à la navigation gestuelle qui sont frustrants. En effet, lorsque je reviens à l'écran d'accueil, parfois, l'interface ne répond pas toujours correctement. Maintenant, attention, cela reste de l'ordre du détail, c'est à dire, qu'il faut savoir qu'un logiciel ne peut pas être jamais stable à 100%. De plus, le capteur d'empreintes digitales, là, pour le coup, manque cruellement de sécurité, puisqu'un ami à moi a quand même réussi à le déverrouiller sans avoir mis son empreinte digitale. Mais pour moi, la plus grosse faiblesse reste pas celle-ci, mais l'autonomie, qui malgré le fait qu'elle soit loin d'être mauvaise, n'est absolument pas le point fort du Pixel 6A. En usage normal, comptez en moyenne 6 heures d'écran allumé, ce qui reste honorable hein, pour un smartphone du genre, mais dès lors vous allez lui demander en performance, vous perdez en moyenne une bonne heure sur l'autonomie annoncée précédemment. C'est dommage, c'est vrai, mais sachez une chose, c'est que Google a aussi l'habitude d'améliorer ses smartphones avec le temps, donc si jamais vous regardez cette vidéo en 2023, il se peut que les problèmes que j'ai cités précédemment soient tout simplement résolus. Un incontournable finalement particulier. Mais alors, est-ce qu'aujourd'hui il est possible de recommander ce Pixel 6A à n'importe qui J'aurais tendance à dire que oui. Hormis si vous avez une sensibilité envers un écosystème où le Pixel 6A n'est pas adaptable, ce dernier reste selon moi un des meilleurs smartphones Android à moins de 500 euros. Je n'ai pas peur de le dire, mais malgré ses frustrations, les qualités en matière d'expérience qu'offre ce téléphone sont pour moi juste le must de ce que l'on peut désirer pour une personne n'ayant aucun intérêt pour la technologie. Et même pour les fanatiques de nouvelles technologies, ce Pixel 6a est tellement différent dans son approche qu'il ne vous laissera pas indifférent. C'est toute la force de ce Pixel 6a qui n'est pas comme tout le monde, il joue sur sa personnalité et son identité. Et si jamais vous avez des questions autour de ce smartphone, tout simplement, n'hésitez pas. Et s'il y en a beaucoup qui reviennent, je pourrais pourquoi pas faire une petite vidéo où je réponds à vos questions ou même un live sur TikTok au choix. <laughs> en tout cas, il me reste plus qu'à vous remercier. De d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour d'autres vidéos autour des nouvelles technologies. Ça me ferait extrêmement plaisir que vous vous abonnez pour faire grandir cette toute petite chaîne. Si la vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à mettre le petit like qui fait plaisir. Et je vous laisse regarder dans la description de cette vidéo si vous voulez plus d'informations autour de la chaîne et des Google Pixel. Bref, sur ce, je vous dis donc à très bientôt et surtout à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez Salut